Terminer tous les punch-out sur console en 2 heures, pouah, c'était d'une simplicité sans nom en comparaison avec le défi d'aujourd'hui qui est de terminer Punch-Out Wii avec ça. Me voilà maintenant totalement aveuglé pour jouer à Punch-Out Wii. Les seuls moments dans lesquels je serai autorisé à enlever mon bandeau seront dans les menus si je suis perdu, car bon, forcément, les contrôles avec la sensor bar, bah, ça peut être des fois compliqué. Mais bon, dans les combats, je ne peux pas l'enlever. Et avant de voir le best-of de ce défi de taré, n'oubliez pas, si la vidéo finit par vous plaire, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de venir sur mon Twitch, hein. Allez, bonne vidéo. Bon, allez, pour lancer le profil, je m'autorise quand même à mettre le bandeau, hein. Oh, regardez, j'ai créé un mythe Super Macho Man. Allez, on va dans la carrière. Bon, allez. Je suis stressé de ouf. Je ne vois plus rien. J'ai légèrement de la lumière dans tout de mon nez, mais je ne vois pas le jeu. Ok. On est parti dans 3, 2, 1. Je ne vois plus rien du tout. Ok. Bon, live à vous. Moi, je ne lis plus le chat, du coup. Et de 1. Ok. Et de 1 sur 26. J'ai déjà le cœur qui bat. Je pensais pas que je resterais autant. Bon, maintenant on arrive dans la partie la plus débile. Je vais devoir naviguer dans les menus avec une Wiimote. Let's go. Oh, let's go. Pour Von Kaiser, je vais essayer une strat que j'avais pas essayé pendant le marathon et que j'ai pas trop train. On va voir si on peut la réussir. J'ai un peu raté. Et de deux. Bon, j'ai un peu raté la strat. Faire en boucle ce que j'avais fait au début, sauf que j'ai tapé vers le haut au lieu de sur le torse, mais ça va. J'ai quand même réussi à rattraper. Je t'avais entendu. Bon, là on est encore dans les combats ultra faciles, hein. C'est déjà ceux que je faisais sans trop réfléchir normalement. Où êtes-vous? J'arrive pas à me repérer. Les boss du menu. Il y a encore de la batterie dans ma Wiimote. Quelques minutes plus tard. C'est bon. Yeah. Wow. T'es où? Oh, let's go. Enfin. Ça, ça fait bien 2-3 minutes, je suis dessus. Bon, j'ai un peu raté, c'est pas grave. Ah, et d'un, ok. J'ai un peu raté, mais ça va, j'ai pas pris de dégâts. J'aurais dû taper un peu plus tôt. Ah, ok. Ah ouais, je suis pas du tout mes stratégies habituelles, mais bon. Let's go. Yes. C'est normal si là ça paraît facile, c'est le combat facile. Maintenant on arrive à déjà un combat qui pose bien problème. J'ai entendu. Let's go. Oh, putain, ok. Ça va, j'ai beaucoup moins galéré que son Disco Kid. Commence déjà mal. Mais. Oh, je suis vraiment un flopper. Mais.
Mais je suis nul. Putain. Oh, nice. Ok. Ah, merde. Pas nice, en fait. Oh, putain, j'ai pris un KO. Ok, je sais ce qui s'est passé. On a... Ah, ok. Bon. Yes. Nice. Je suis où là? Je me suis stuck dans un menu que je connais pas. Enfin, que je connais pas assez. Encore? Je suis où là? Ne me dis pas que je suis dans les options et que je viens d'arriver sur un menu à la con. Attends, là je suis dans un... Non, là je connais pas. Je suis dans un menu que je connais pas. J'étais vraiment dans un menu que je connais pas. Mais c'est quoi cette... Mais attends, mais... Oh, putain, merci. J'ai littéralement dû enlever mon bandeau. Mais en même temps, j'étais coincé dans les options. C'est... Mais en fait, je crois que le problème, c'est que ma sensor bar est pas très loin de moi, quoi. Menu. Je pense que c'est le premier. Putain. Je vais être perdu dans les menus. Merci. Bon, si je suis perdu dans les menus plus d'une heure, à un moment donné, faut arrêter. Enfin un boxeur. Après quasiment 5-10 minutes, je sais pas combien de temps il s'est écoulé. Ah oh, putain, ça... Ah si, ça le Mikao. Ok, j'ai eu un doute. Oh, let's go. Je suis à counter. Bon, j'ai un peu fait de la merde, hein. Enfin, un peu, c'est un euphémisme. Je fais ce que je peux. Oh, let's go. On espère pas être perdu une heure dans les options. Ah. Enfin, quoi. Merde. Non. Oui. Merde. Oh nice. Par contre j'ai entendu le timer, donc à mon avis on va pas gagner. Ça va pas passer au premier round. Ça va arriver souvent. Yes. Alors je dois vous avouer quelque chose. J'ai pu jouer au jeu depuis plus d'un mois. Voilà. Littéralement, j'ai pu jouer au jeu depuis plus d'un mois. Je n'ai plus joué au jeu depuis un mois parce que j'avais vraiment pas le temps et bah voilà. J'ai entendu. Oh, let's go. Okay. Par contre, attends, je suis encore centré vis-à-vis de ma cam là. J'en ai aucune idée parce que pour moi, la sensor bar elle est vraiment mais tout à gauche. Hein. Elle est à 2 mètres de moi. On se concentre parce que ce combat, j'ai toujours du mal.
Dice. Oh Dice. Oh Dice. Oh oui. Oh, je suis con. Aïe. Dice. Ha. Oh putain, ce combat j'ai toujours du mal. Cherchez pas, j'ai toujours du mal avec ce fight. Ce combat pour moi c'est une purge. Déjà en classique c'est pas facile pour les strats speedrun, mais là. Mais merci putain, ça fait déjà une heure que je te tape, j'ai l'impression. Je suis KO. Ce combat pour moi c'est une purge. Vraiment je le déteste, ce fight de merde. J'y arrive jamais. Oh! Ça y est, je commence à comprendre un peu où est la barre. Nice. Je déteste ce combat. Oh, tu sais, je l'ai tapé. Oh, je l'ai tapé, je crois. Hein. Ouais. Ok, est-ce qu'il va se relever, je sais pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knockout. You can always take a whooping. J'en ai marre. Ma sensor bar est trop proche là. Elle est. C'est la longueur de mon bras, la sensor bar. D'ailleurs. Je sais pas sur qui je suis. Ah, c'est bon. C'est bon. Oh, let's go! Sans avoir besoin d'enlever ce putain de bandeau. Oh, nice! Allez! Oh merde putain. Oh, j'ai raté la strat pour le battre en 2 KO, mais bon. Pas grave. Je me mets bien quand même. J'ai une étoile là. Uno,
Dos, tres. Oh yes. Oh oui. Oh, j'ai pas galéré comme la dernière fois, j'ai pas eu besoin d'enlever cette merde. Nice. Ok, ouais, en fait, je comprends, c'est vraiment mon micro qui bloquait ma sensor bar. Ce combat va être super dur, je vous préviens. Parce que déjà, les yeux ouverts, j'ai un peu du mal à faire les strats de speedrun, mais alors les yeux bandés et que j'ai pu jouer depuis un mois, laisse tomber. KO, mais ça va pas suffire. Aucune chance. Jamais je gagne. Mais putain. Oh. Oh putain. Ouais. Oh merde, putain, j'étais bien, hein, j'étais bien. Oh oui. Oh non. C'est bon? Putain. Ok, je commence à un peu mieux à me démerder avec la sensor bar. Bon, Soda Popinski, normalement ça va, hein. Normalement. Et ça, c'est comme à chaque fois. J'ai raté. Ah oui, let's go, c'est ça que je voulais faire. Ha ha!
Ah ok, KO. Je sais pas combien de temps il reste, je crois il doit rester une minute hein. Oh oui! Oh le cas! Oh c'est bon, c'est GG. J'avais une étoile, je voulais l'utiliser, mais non, il n'y en aurait pas eu besoin. Bon, j'ai dû reset deux fois, mais c'était pour la bonne raison. Maintenant, on arrive au trio des enfers, surtout les yeux bandés. Qu'est-ce qui se passe là dans les menus, ça y est? Bon, Balboul va être super dur. Hein. Je vous préviens direct, Balboul, je vais sûrement pas le passer du premier coup les yeux bandés. What? Ah non! Attends, quoi? Comment j'arrive pas à le taper? Laisse tomber, je suis nul. Qu'est-ce qui se passe dans ce fight? Laisse tomber. En fait, le problème, c'est que y a... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de sound effect de quand tu te prends des dégâts, quoi. Donc j'arrive pas trop à me situer. Mais absolument pas. Hein. Ah, ok. Oh, sérieux? Mais non. Je crois que c'est la première fois que j'y arrive vraiment. Depuis longtemps. Mais non, non, sérieux, sérieux, sérieux. Oh. J'ai eu qu'une défaite sur lui. Je pensais tellement que j'allais avoir 40 défaites contre lui, les yeux bandés, quoi. J'y en ai eu qu'une, alors que j'ai pu jouer depuis un mois. Mais c'est vraiment le contre-KO sur sa bull charge qui me sauve la mine. C'est ce que j'aime entendre. Et bien entendu, la tradition veut que Super Macho Man, on ne passe pas l'intro et on passe pas, on passerait en fait avec Macho Man, c'est la tradition. En plus, c'est le mic que je joue. Are you ready? 'Cause I'm gonna put on a show. Autant vous laisser profiter de ça, quoi.
crunch. No! Crunch time! Crunch! Ah, ok. J'étais un peu perdu dans mon pattern, mais ouais. Ah. Malheureusement. Tiens, comment c'est si bien. Ah, ok. Crunch, dude. Marshall. Oh non 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 non. Merci. No. Super macho man. Marshall. Oh non, putain. Ah, ok. Bogus. Crunch. Crunch, dude. One, two, three. J'ai pas pris un seul dégât, je crois, hein. Pour le moment. Focus. Marshall. Pump it. Pump. Crunch. Focus. Marshall. Stay down. Ah. Ok. Bon, c'est pas la fin d'Arico pour autant, mais bon. Ah putain, j'aurais dû le garder. Marshall, crunch. Oh non, mais putain, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Dude. Oh, let's go. Oh, j'avais aucune idée de combien de vie il restait. Il a eu le temps de release le bogus, hein. Allez, il reste plus qu'un combat dans le mode classique. Alors là, normalement, si je dis pas de bêtises, on est directement sur lui, hein. Ok, ouais, il fallait juste trouver le bouton, lancer le combat et c'est tout. Ah, oh putain, en fait, depuis le début, je suis parti de plus en plus à ma droite, hein. Putain, je suis attiré par la droite, oh là là. Je vais me faire attaquer. Ah, ok. C'est bon, il est KO. Ah, merde. Afraid.
Fight Night. Bedtime. Oh merde. I'm all afraid. Quand même, hein. Oh non. Non, oui. En fait, cette phase-ci ressemble à 100% à celle du premier round, donc ça va. Oh putain, je pense que pour encore un chaos, c'est fini. Non, putain! Mais little mec, mais relève-toi, quoi, un moment. Allez, voilà, voilà, voilà. C'est bon, hein. Ok. Allez vite, il me faut des PV. Parce que c'est pas parce que je lui ai mis deux KO que j'en ai pas pris que c'est forcément gagné. Hein. Oh let's go. Putain. TKO. Yes. J'enlève pas mon bandeau tout de suite. Bon c'est pas fini encore le title défense, mais je vais quand même regarder un peu le timer et tout. Une heure 29 pour le mode classique. Ah bah j'ai été vraiment à mon estimation. Ah ça fait bizarre de revoir complètement. Défense du titre inclus, oui on va le faire, on va essayer au moins. Non. Bah attends, là je suis pas censé voir parce que va y avoir un menu. Je continue à lire le chat tout à l'heure. Du premier coup. Nice. Glace d'eau, il va être compliqué. Hein. Oui, mais bien entendu. Attends, juste, il faut que je réfléchisse 2 secondes au pattern que je dois exécuter. C'est bon. Je préfère réfléchir avant le combat que pendant le combat être là. Qu'est-ce que je dois faire déjà si ma strat passe? De chercher. Alors, bien. C'est pas la situation la plus optimale, j'aurais bien aimé avoir une étoile, c'est que j'ai du mal calculer un moment. Alors ça te plaît? Ah.
C'est bien ce que je dis, j'aurais dû avoir une étoile, comme ça c'était bon. Hein. Alors ça te plaît? Je vais faire ton glace, Joe. Non, oh, let's go, j'ai réussi à taper la frame counter. Alors que je crois que j'ai dû la faire une ou deux fois à tout péter depuis que j'ai commencé le jeu. Let's go. Pas let's go en fait. Let's go. Oui, maintenant c'est bon, let's go. Putain, j'ai failli mourir en classe, Pio. Pourquoi j'enlève mon Bordeaux, moi? Le Koro, j'avais les yeux fermés. On est à 14 sur 26 combattants, là. Par contre, pour ceux qui se demandent, je ferai pas Donkey Kong. Donkey Kong, je le connais déjà pas assez les yeux ouverts, alors que les yeux fermés, je le bats jamais. Von Kaiser, version Giga Chad. Nice. Come on, fight. Ah putain, j'ai esquivé trop tôt. Nice. J'espère qu'il reste au moins un peu plus d'une minute. Oh putain, on était pas loin. Hey Mac baby. Come up. Oh oh. Oh oh. Ah ok. Ah! Laisse-moi deviner, il a tapé à gauche. J'en savais rien, je suis jamais allé aussi loin dans le combat. Oh oui! Oh, let's go! C'est bon, c'est bon. Mais par contre, bon disco kit, ça devrait aller, normalement. Peut-être que je vais être KO une ou deux fois, mais ça devrait aller. Oh, c'est exactement ce que je voulais. Ok, ok, allez. Pas de merde, là, normalement, j'ai deux étoiles. Oh, oh. Oh, let's go! J'ai fait pile la strat que je voulais faire. Avec 2-3 imprévus, mais... Oh, let's go. Nice. C'est clairement le combat que je redoute le plus. De tout le jeu. Bon, Berger est costaud aussi, mais... Les yeux bandés, je pense que c'est vraiment lui qui peut poser le plus de problèmes, quoi. Avec son nombre de points de vie abusé, là.
Nice. J'ai pris un KO. Il met beaucoup trop de points de vie et il a beaucoup trop de P. Et lui, il en a beaucoup trop. Attends. Je l'ai baissé assez en ville. Hein. On est bien d'accord qu'il m'a fait son attaque de charge. Hein. Ok. Si j'arrive à choper ne serait-ce qu'une étoile. C'est dans la poche. Mais je pense que je vais pas essayer la strat de l'étoile parce que je sais pas du tout quand est-ce qu'on peut en choper. C'est horrible comme combat, je vous le dis. Hein. Je suis sûr, là, il lui reste encore un quart de vie en plus. Hein. Non. Mais putain! Je vais vous dire, le pire, c'est que je sais pas combien de points de vue il reste. Hein. Je sais pas si je suis plus proche de la victoire que de la défaite. Mais. T'es sérieux? Mais d'où j'ai pas réussi à le taper? C'est une blague, ça, par contre. Il y a moyen, mais bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sound effects. Il n'y a pas assez de sound effects. Du coup, je sais jamais ce qu'il fait. Allez, une chance source. Je sais pas combien. Je vais péter un câble. J'en ai plein le cul. Bon, allez, tu sais quoi? Je veux savoir, il restait combien de vie? Ah ouais, en fait, à chaque fois, il reste vraiment que dalle, quoi. Oh non! Je veux pas trop le vivre, mais... Il restait combien de vie? Il lui restait combien de vie? Je suis sûr, un coup et c'était bon, quoi. Il restait vraiment un coup ou deux, je crois. Je vais m'épister en... Mais je... C'est infaisable, les yeux bandés. Faut littéralement que j'essaye de m'imaginer ces attaques dans ma tête, quoi. Nice.
Bon bah je prends un KO avant la fin du round, hein, super. S'il te plaît, relève-toi, je t'en prie! Ok. Je te rate pas. T'es sérieux, round 3? Et j'ai déjà consommé le chocolat. Ça veut dire que... Attends. Là, s'il reste plus qu'une attaque pour mettre KO, c'est gagné. Normalement, si je me rate pas dans la prochaine attaque, s'il te plaît. Je t'en supplie le jeu. J'en ai marre de King Hippo, je peux plus me le voir. Let's go! Oui! Oh, enfin! Oh de merde! Nice. Ça risque d'être plus facile que King Hippo, mais pas facile pour autant. J'ai pris un KO. Oh bah enfin, j'ai cru que ça n'arriverait jamais. On va pas gagner du premier coup malheureusement. Ok. Malheureusement. S'il te plaît, je t'en supplie, lecteur. Merci. Non, mais non! Je suis sûr, il restait rien, quoi. Attends, j'ai envie d'aller voir le replay parce que je suis sûr. Il lui restait un coup. Nice. J'ai... Le frame perfect. Oh, le frame perfect qui me met si bien. KO.
Let's go! Yes! Putain. Le frame perfect, il m'a mis tellement bien. Ok, et un de plus. Pas lui, putain. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre pour Berhugger. J'ai pas préparé de stratégie, si ce n'est YOLO. Et me baser beaucoup sur les sound effects. Il a beaucoup trop de PV pour... ça, je sais pas. Oh, nice! Right. Catch and release. Forcément, faudrait que ça arrive, hein. Forcément. Catch and release. Oh, et on... Ok, concentration, c'est pas du tout fini, on est très loin d'avoir fini, je pense qu'il doit rester 1 minute 20. Sur le timer du jeu. T'es sérieux? T'es sérieux? J'ai Force Fiber. Mais non! Comment j'ai fait? He can always take a whooping. Comment j'ai fait? J'en reviens pas. Vraiment? Premier round, première try? Oh, je suis sur le cul, mais comment j'ai fait? Comment j'ai first try, un des combats les plus durs du jeu? Les yeux bondés! Alors, Great Tiger Title Defense, je pense que je vais le faire plus facilement que le classique. Dommage, il m'aurait fallu une étoile maintenant. De toute façon, je l'aurais perdu. Donc en fait, non, c'est pas de tant pis, c'est bon, bah moi, j'ai perdu. What? Attends, c'est quoi l'attaque là que j'ai entendu? Ce sound effect, je le connais pas. Oh putain, il m'a fait une attaque que j'ai jamais vue. Littéralement, j'ai jamais vu cette attaque. Donc c'est la merde. Il me fait une attaque, je ne l'ai jamais vue, je la connais pas. Je sais pas comment l'esquiver. J'ai joué au jeu, je sais pas combien de fois, j'ai jamais vu cette attaque, jamais. Mais putain, j'appuie trop tôt, j'ai encore hésité. Ça m'énerve, hein. Il reste pas grand chose quoi. C'est littéralement un segment de combat à faire et puis c'est bon. Mais putain. Je comprends plus. Teri yaadash to tez hai na. Ça va, j'ai pas trop galéré. Ça va, c'était pas non plus le combat le plus dur de la run. Oh putain, on arrive sur Don. Oh, on arrive sur Don Flamenco. Je pense, bon, en vrai, Don Flamenco, c'est le dernier combat entre guillemets moyen de la run. Venga, carne mi amor.
Ok, j'ai pas réussi à le chaîner, j'ai pas réussi à le mettre en seul dégât. Oh, nice. Uno, dos, tres, cuatro. Bien visto. Venga. Toma. Venga, venga. Ok, j'ai pas réussi à les esquiver, mais comme il n'y avait pas les sound effects, bah j'en savais rien. Il y a des fois où je me demande pourquoi je vis. Hein? Attends, comment ils sont passés là? Comment les deux derniers coups sont passés? Vamos, vamos! Corre, mi amor! Ole! Mira! Venga, venga! Ça va pas là. Allez, je suis interrompu en plein milieu. Hein. Oh non, putain, sa perruque. Ok, n'est pas si mal. Non, relève-toi, relève-toi. Merci. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Let's go. C'est pas... C'est bon, hein. Oh putain, c'est vrai qu'on a changé de round. Et merde. Let's go, là c'est bon, là par contre. Putain, let's go. Et là, là dans le dernier circuit, il y a quand même... 3 combats en partout. Enfin, a... en fait, tous les combats sont flippants à mort. Il me fait particulièrement peur, lui. Déjà, la pro... Déjà dans le mode classique, on avait galéré. Mais là. Déjà. On est dans la merde.
Ah non, 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 non. Je pense avoir perdu les étoiles, mais j'ai appuyé sur moins facilement 20 secondes avant, hein. Hé, j'ai appuyé sur moins, il y a eu un délai de 20 minutes. Même ma manette, elle est sabotée maintenant. Ah, ok. Vous m'excuserez, mais à force, j'ai plus envie de m'emmerder avec ça dans les dans le menu recommencer. Tout ce qui ne devait pas arriver arrive. Oh non, putain, j'ai pas eu le bon timing. Le problème, c'est que je peux pas réussir sans cette stratégie-là. Hein. Je peux pas faire Orstrad Speedrun, ça ne sert à rien de le mettre KO une première fois si j'ai pas d'étoiles. Mais non! Here's one of my favorites, Mac. Allez, c'est bon, j'arrête le stream, j'en ai marre, allez, c'est bon. Va te faire foutre, jeune merde, je coupe le stream. Bon allez, partie 2, j'espère que ce sera la partie finale, et au pire, si ça se fait en 3 parties, c'est pas grave, de la run blindfolded. Je vais pas mentir, la dernière fois, je ne m'étais pas entraîné avant le défi. Là, j'ai quand même refait un peu tous les combats. Vas-y, allez, j'en ai marre. Vas-y, me casse les couilles. Ça me casse déjà les couilles, quoi. Je progresse pas en fait, c'est ça qui m'énerve le plus. Je ne fais aucun progrès depuis la dernière fois. Non putain, j'ai raté. Non mais putain! Arrête de faire la buffer si ça ne sert à rien. Putain, j'aurais pu faire la buffer, mais non! On est vraiment à rien, mais je n'y arrive pas. Voilà, bon, allez, il va me falloir la solution, j'en peux plus. Faut que je tape après qu'il ait fait son deuxième O. En gros. Fait oh, oh, et là, il faut taper. C'est pas lors du début du troisième, c'est vraiment à la fin du deuxième. Je sais pas pourquoi la buffer ne passe pas. Le pire, tu vois, c'est que j'ai fait deux vers le bas, je me suis dit, mais attends, mais en faire un troisième vers le bas, ça ne sert à rien, en fait. La buffer ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, dans quel monde, bordel de merde, elle ne marche pas, mais elle ne marche pas. C'est le moment. J'ai eu un lag sur mon putain de bouton. Littéralement, je l'avais fait de la même manière que dans le speedrun. J'étais arrivé jusque-là de la même putain de manière que dans le speedrun. Et c'est un niveau que j'avais jamais réussi à faire, même les yeux ouverts. Je me demande si je vais... Enfin, le problème, c'est que je peux pas faire le tri KO, je le sais bien. Parce que je connais la première phase, mais les autres d'après... Devoir retenir la phase 1, 2, 3, ce serait... Ce serait ridicule. Je n'en peux plus. Est-ce que j'étais trop tôt, trop tard? Est-ce que...
Je l'ai dit, en fait, mais vraiment, je n'ai aucune stratégie, je peux juste... pas tenter au hasard, parce que bon, je peux essayer de m'y retrouver avec les signaux sonores. Mais sinon, c'est que de l'aléatoire. Je ne peux compter que sur la chance pour achever ce fight, quoi. La chance de tomber sur la bonne frame, quoi. Je n'en peux plus. Je ne progresse plus depuis une heure. Voilà, littéralement, je suis bloqué au même stade depuis une heure. J'ai 3 étoiles, je sais pas si je continue après. Non, je tente. Faut que j'aille, de toute façon, on a bien vu ce que ça donnait si je le faisais pas. Trop tôt, trop tard, je sais pas. Je crois que on fait trop tôt depuis le début en fait. C'est bon ou pas? Non. Oh oui! Yes! 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 Bordel de merde! Ça fait 1h20 que j'étais sur lui. Et 1h facilement pendant le dernier stream. Oh, nice. Oh, on a enfin Soda Popinski, bordel de merde. Bon, par contre, Soda Pop, ça va être horrible, hein, je vous le dis direct. En vrai, je pense le mieux, c'est de recommencer. En fait, ma stratégie, je pense que je vais essayer de faire comme Aaron Ryan, c'est-à-dire faire un combat qui est parfait. Voilà. Quitte à reset 50 000 fois. Oh putain, ta gueule, il a fait 4 fois. Ça change toute ma strat parce que pour moi, il le faisait 3 fois, ça. Oh nice, 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 nice. Ouf. Ok, non, si je fais pas un combat perfect, c'est même pas la peine de rêver, les yeux bandés, c'est littéralement possible. Comment tu veux dodge alors que les 3 coups qu'il fait? Alors je suis sûr il y a un pattern, mais laisse tomber pour s'en souvenir à la veille. Allez, va te faire foutre. Ben oui, mais... Le problème de cette attaque, c'est que le pattern change à chaque fois, j'ai l'impression. Ça, je peux acheter à chaque fois 3 ou 4, ou 3 ou 5. On sait pas trop, c'est... Joue à la roulette russe, t'auras plus de chance. C'est interminable. Oh nice. Come on, come on.
Oh yes! 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 Oh putain, let's go! Bon, Soda Popinski, c'était le plus simple du dernier circuit, mais ça fait quand même plaisir. On est à 23 sur 26, les yeux bandés. 23 sur 26, ça fait plaisir. Chaque combat, en fait, ça va être une récompense de malade quand je vais gagner. On arrive au mur. Franchement, je vais vous dire quelque chose. Balboul, je pense qu'il est plus difficile... Enfin, je pense que c'est le perso le plus difficile du jeu. Les yeux bandés. Peut-être avec Donkey Kong, parce que je ne maîtrise pas du tout déjà les yeux ouverts, mais... De toute façon, Donkey Kong, on le fera pas. Mais Balboul TD, clairement, il va me défoncer, je vous le dis. On va faire un essai aujourd'hui, mais je peux pas gagner First Try. Vous êtes prêts pour le combat le plus dur du jeu? Oh putain. Si je gagne contre Balboul en First Try, je pense que je joue plus jamais à Punch-Out de ma vie. C'est bon, j'ai tout gagné. Hein. Même Sandman Title Defense, il me fait moins peur. Ah putain. Mais le problème c'est de choper les étoiles hein. C'est pas tant de mettre des dégâts en vrai. Ouais, vraiment le problème ça va pas tant être de mettre des dégâts, ça va être de choper les étoiles et de les mettre au bon moment. Ok, alors là on a une strat, il faut juste pas mettre le coup de gauche. Pourquoi ça a pas marché? Depuis quand ça marche pas cette stratégie? J'utilise à chaque fois, elle fonctionne. Et allez, j'ai ruiné la seule étoile que j'ai chopée de tout le match. Je vois pas dans quel monde je gagne. Il va falloir de l'entraînement. Il me faut juste une étoile, quoi. Eh ben merci! Putain! Il m'aura fallu 4 minutes de match pour pouvoir mettre un premier KO, quoi. Oh, ça a marché. Bon, j'ai droit qu'à un KO, donc ça m'étonnerait que j'arrive à gagner, mais ça montre déjà que c'est faisable. Difficilement, mais c'est faisable. Dommage en vrai, hein. Dommage. Mais je pouvais pas gagner du premier coup, il faut pas rêver. C'est inimaginable de gagner contre Balboul à la première try. Surtout le Balboul Title Defense. On reprendra ça... En vrai, je suis chaud de reprendre ça demain. J'ai envie de terminer ça avant Zelda Echoes of Wisdom, j'avoue. Oh non! Non! J'en ai plein le cul, ça se joue à chaque fois à rien, quoi. Mais j'arrive pas à choper les étoiles. Oh nice. Okay. Nice. Je peux le faire. Ah.
One, two. Ah, 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 let's go! Yes! Ça va, en vrai, j'ai pas trop galéré sur Bald Bull. Oh, j'avais vraiment peur de lui, mais non, en vrai... Pas plus dur qu'Aren Ryan, quoi. Oh putain, let's go, ça fait vraiment plaisir, par contre. Nice. Allez, plus que deux combats, là. Et en plus, Macho Man, il est vraiment simple. Il est vraiment simple. Bon, allez, on va profiter de la cinématique. Je vais pas skipper ça. Ça va pas se produire aujourd'hui. Why don't you love me? Let's go! Hang ten! Hang on! Nice! Come on, come on! Fight! Work it! Release the dude! Ah. J'ai parlé peut-être trop vite en disant que Macho était simple. Cela dit, j'ai un petit chaos d'avance. Par contre, le bandeau qui part en couille là. Allez. Ah. Je sais pas ce qu'il va faire, j'ai peur. Nice, on va faire strike Super Macho Man. Let's go. Mais j'avais dit, Super Macho Man, en vrai, il est pas difficile. Mais ça fait quand même plaisir de le one-shot. I'm sorry. Bon, j'ai quand même pris deux KO, on va pas peut-être faire trop les fiers non plus. Allez, il reste un seul combat, là. Bon, il va être compliqué, mais en soi, il va reposer un peu sur de la RNG. Hein. Il va reposer sur de la RNG, principalement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on peut choper facilement des étoiles, mais il faut faire coup gauche ou coup droit, et il y a un indicateur que, visuel que du coup je n'ai pas, qui est l'œil qui cligne. Ça se trouve, on va réussir à first try, parce que j'aurai de la chance, et ça se trouve, on va y passer deux heures, parce qu'à chaque fois, je vais taper au mauvais endroit, ou au mauvais timing aussi, potentiellement, mais ça, c'est plus de ma faute que de la faute. Okay. You want some more? What? Bedtime. Oh. Oh.
Ça va être compliqué. Oh, nice. Mais putain, j'esquive là. Ça. Je vous préviens, on va peut-être passer 3-4 heures dessus. Mais quoi? Ouais, va te faire foutre. Est-ce que vous pensez que c'est son tour? En fait, va falloir utiliser cette stratégie et les coups étoiles. Quoi? Oh mais merde! Oh! Alors, je finis avec 2 étoiles. J'en ai marre, putain. Les coups étoiles n'ont pas voulu s'activer. Littéralement, j'avais le doigt sur moi, ça n'a pas marché au début. Non, putain, je mérite la win, là. Mais non! Putain! Littéralement, j'avais 2 étoiles. Je spammais mon bouton moins, ça n'a pas marché. Bah oui, j'en ai convaincu. Nice. Ça va reposer sur de la chance, hein. Ça se trouve, je finis dans 2 minutes, ça se trouve, je finis dans 1 heure, hein. Ça se trouve, je finis dans 10 heures. Oh merde. Il doit pas être très loin du 2e KO, mais chaud quand même. Ah bah. Alors là, je vous explique, si j'arrive à choper 2 stars, on a gagné. Alors on a une 2e chance. On peut refaire exactement la même chose. Allez, c'est pas possible. Je me déteste. Encore une fois, encore une fois. Putain, s'il te plaît. Sois avec moi le jeu, sois pas contre moi. Non, putain, relève-toi, je t'en supplie, mag. Ok, allez. Encore une chance.
Yes! Oui! On a fini. On a fini. J'ai terminé. Enfin, il faut encore qu'on atteigne les crédits, mais j'ai terminé. Punch out, oui. En étant aveugle. Oh, de merde. YouTube, je sais pas où est la cam, mais abonnez-vous, là. Bon, attends, on n'a pas fini. On va quand même atteindre les crédits, hein. Je réalise pas. Alors si ça, c'est pas un bel hommage que je fais au jeu. Bon, on va prendre 3 défaites intentionnelles, atteindre les crédits et terminer le jeu. Hein. Alors ici étant l'avantage que il y a un seul combattant, donc je risque pas de me paumer dans les menus. Si j'entends un tic, c'est bon, c'est que c'est lui. Alors, qui va devenir le record du monde? Enfin, qui va devenir champion du monde de boxe après que Little Mac ait pris sa retraite? Oh, King Hippo. Ah ouais, je pouvais pas win contre lui, de toute façon. Vas-y, tue-moi. Et ben voilà, finalement, c'est le personnage sur lequel j'aurais le plus galéré, je crois. Sauf, soit c'est lui, soit c'est Aaron Ryan, je sais pas, mais en tout cas, c'est un perso qui m'aura fait galérer, qui chope la ceinture, hein, c'est normal. Je serais le premier en Europe à faire... Enfin, premier francophone, premier européen à faire une vidéo. J'ai fini Punch Out, puis je bandais, quoi. Zalarzouane l'a déjà fait en marathon, mais sinon, aucun européen, aucun francophone ne l'a fait. En tout cas, sur la version Wii. Et qui va être le deuxième qui va pouvoir choper une victoire gratuite? Oh ben... Vas-y, on va essayer, mais... Je gagne pas, mais on va quand même tenter, hein, vu qu'il est là. Vas-y, si j'arrive déjà à choper un KO sur Donkey Kong, c'est bon, je serai déjà content. Voilà, j'ai mis un KO sur Donkey Kong, c'est bon. C'est bon, allez. Non, allez, je veux pas faire Donkey Kong. En vrai, même les yeux ouverts, j'ai vraiment du mal avec Donkey Kong. Bon, après, j'ai quand même réussi à le coup de tort, hein. Allez, j'aurais quand même réussi à le mettre au moins une fois KO, bon, c'est déjà ça. Mais je pouvais pas gagner contre lui, c'est impossible. J'ai juste pas assez d'entraînement. Et aussi, bon, non, j'ai juste pas assez d'entraînement sur lui, en fait. Bon, ben merci Donkey Kong pour ton apparition, au moins on t'aura vu. Bon, ouais, qui va être le tout dernier combattant de cette run? Ah bah, Soda Pop. Soda Pop. L'avantage, c'est qu'il met KO rapidement. Voilà. Encore un dernier boss menu. Allez. Et voilà. Punch out, oui, les yeux bondés, c'est fait en 6h45 minutes. Eh ben, c'est vraiment pas mal, hein.
Ah, par contre, ah, chaque fois que j'enlève ce bandeau. Oh putain. Ah, ça me nique les yeux. À chaque fois, c'est comme quand vous êtes endormi et qu'on vous met 50 lumières en pleine gueule. Good job, son. Good job, son. Dans un sens, je suis pas étonné parce que je savais que je m'étais suffisamment entraîné pour, mais dans un autre, putain quoi. Putain quoi. J'ai battu Punch-Out Wheel, les yeux bandés. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Bon après, je pense que je ferai pas 50 000 blindfolded parce que c'est vraiment un challenge beaucoup trop compliqué. Alors, l'avantage de Punch-Out, c'est que... Pour moi, c'était encore jouable parce que c'est principalement un jeu de rythme, un jeu de réflexe, avant d'être principalement un vrai jeu de combat. Mais non, c'est un défi de fou furieux. Hein. Je pensais pas dire ces paroles sur ce défi. Hein. Pour moi, on n'allait pas y arriver, hein, vraiment. Je m'en croyais plus capable depuis déjà un petit temps. Bon, YouTube, bon, voilà, il est temps de faire mon outro. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de malade. Pour juste pour la performance, vous êtes obligé de vous abonner, de liker et de venir sur Twitch. Nom de Dieu, vous venez sur Twitch. Maintenant! Bon, je vais éviter de me casser là-bas. Ah, voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était chillé, portez-vous bien. Salut! 26 victoires, 47 défaites, et encore, ça compte pas les restarts. C'est vous dire à quel point.